Salut, Salut, cher cher candidat. candidat. L'examen L'examen est une est une technique technique et et non non une une problématique. problématique. Il ne serait jamais Il ne serait assez jamais de le assez de le répéter. répéter. Une Une fois que fois vous que vous êtes êtes familiarisé familiarisé avec avec la feuille la feuille d'examen, d'examen, avec le avec le texte, texte, il il faut faut bien bien gérer gérer le le temps. temps. Ne vous Ne vous affolez affolez pas. pas. Le Le temps est temps est bien bien calculé calculé par les par les spécialistes spécialistes dans le dans le domaine. domaine. Le Le temps temps qu'on vous qu'on vous réserve réserve pour pour chaque chaque épreuve épreuve est est largement largement suffisant. suffisant. Mais il Mais ne il faut ne faut pas pas le le perdre perdre en en faisant faisant attention attention aux aux autres. autres. Il faut Il faut savoir le savoir le gérer gérer parce que parce que c'est une c'est une partie partie de la de la réussite. réussite. D'abord, D'abord, réservez réservez trois trois quarts quarts d'heure à d'heure la à la compréhension. compréhension Mais et une une heure heure et quart écart à la à la production production écrite écrite. qui Qui fait fait partie partie de la de la moitié de moitié la de la note. note. Attention, Attention, ne ne pas pas négliger la négliger la production production écrite. écrite. Je le Et je le répète répète encore, encore, c'est la c'est la moitié de moitié la de la note. note. Très Très grand grand courage. courage. Salut, cher candidat. L'examen est une technique et non une problématique. Il ne serait jamais assez de le répéter. Une fois que vous êtes familiarisé avec la feuille d'examen, avec le texte, il faut savoir gérer votre temps. Ne vous affolez pas. Le temps est bien calculé par les spécialistes dans le domaine de la pédagogie. Le temps qu'on vous réserve pour chaque épreuve est largement suffisant. Seulement, il ne faut pas le perdre en faisant attention aux autres. Il faut savoir le gérer parce que ça fait partie de la réussite. Réservez trois quarts d'heure à la compréhension et puis une heure et quart à la production écrite parce que aussi, c'est la moitié de la note. Attention à ne pas négliger, car, je le répète encore, c'est la moitié de la note. Très grand courage!